des ruptures des stocks dans tout le point de vente de la farine de maïs Made in Okatanga à travers toute la ville de Lubumbashi. Les Louchois continuent à se procurer cet aliment des bases au prix de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kilos. L'engouement est encore perceptible à chaque point de vente. Constat fait, ce jeudi 25 mai 2023, comme ici, à la commune de la Kenya, à la Katuba, Mimbulu et à Kisanga. Tout le monde est servi et la population est satisfaite. Tout se passe comme le veut le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kaboula Katwe. Notons que cette politique mise en place par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, dans un contexte de la flambée du prix de la farine de maïs, permet de stabiliser le prix de cet aliment de base sur le marché. Un sac de farine de maïs de 25 kg qui se vendait à plus ou moins 80 000 francs congolais il y a peu, se négocie actuellement autour de 45 000 francs congolais. Et le gouvernement Kaboula continue à inonder le marché avec sa farine jusqu'à ce que le prix revienne à la normale. Nous venons d'avoir une réunion de concertation avec l'Assemblée provinciale, qui est la représentation de la population haut-katangaise, sur le regard de la question de l'heure, qui est la crise de la farine de maïs. Nous avons tous constaté sur le marché la difficulté d'accéder à la farine de maïs et nous avons ensemble réfléchi pour que nous puissions rendre l'agriculture une activité obligatoire à toutes les structures qui entrent dans la production des biens et services et que les personnels, les personnes aussi soient aussi appuyées et que l'agriculture soit instaurée comme étant une activité obligatoire au niveau de la province du Haut-Katanga à travers bien sûr l'acte qu'on appelle EDI provincial. Nous avons pu obtenir la bénédiction du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que de tous les députés pour que nous puissions travailler ensemble et arriver à relever le défi. Comme vous le savez, ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir tous les Haut-Katangais passer à l'agriculture. Et ce qui peut faire notre fierté, c'est de voir que la production de la farine s'est faite sur place localement et non pas bénéficier des importations parce que les importations signifient que les autres cultivent pour nous. Or, nous devons cultiver pour nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça que l'Assemblée provinciale est prête pour devoir établir un édit de sorte que tous ceux-là qui utilisent des personnels puissent arriver à produire pour restaurer son personnel en aliment de base qui est la farine. Le gouverneur Jacques Kaboula Katwe a consacré l'après-midi de ce mercredi 24 mai 2023 à l'inspection des différents chantiers routiers initiés par son gouvernement. Première étape, la route Kamasaka. Le chef des équipes provinciales veut se rassurer de l'évolution des travaux amorcés il y a de cela quelques temps. Sur place, le gouverneur, accompagné de son ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, va recevoir des explications sur les travaux en cours. Plus d'un kilomètre et 750 mètres de route a déjà été asphalté. Il y reste 3 km 300 asphaltés qui sont déjà à l'étape de la stabilisation de la plateforme. Les travaux d'assainissement se poursuivent, ont indiqué les ingénieurs de l'entreprise Malta Forest qui exécutent les travaux sous la supervision de l'OVD. Les travaux de modernisation de cette route vont se poursuivre avec un nouveau pont moderne qui sera jeté sous la rivière Kamasaka en remplacement de l'actuel. Des actions du gouverneur Jacques Kaboula Katwe saluées à juste titre par la population de ce coin. En tout cas, le gouverneur est venu en dernier vraiment. Tout est venu Muzuri, tout le monde a vécu mon année, mon vumbi vraiment pour le moment. En tout cas, merci beaucoup, quoi, gouverneur. Nous avons kupata mon vumbi à mingi sana, apa tunaone ko binakuye ko bien, kajina tumika Muzuri. Parce que nous avons été swasana, kuanguka nguka, potopoto nini wa bucha, fukifika muvile ke kamasaka ye ule. Meleo hii anetukumbuka kwa na kofiweke ni wandani. Tulianza kutembea mvumi nafika mkanisa buchafu. Leo tunakuwa ba propre. Mungu akubariki de pere de mer.
Poursuivant sa descente dans les fins fonds de la ville de Lubumbashi, le gouverneur va se rendre sur la route Kilobelobé. Ici, c'est une nouvelle route qui est construite par Jacques Kabula Katwe. Le trafic routier est fluide grâce à la qualité de la route. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe est satisfait de l'évolution des travaux. Nous sommes satisfaits de voir que la population aussi est contente, de voir que nous n'avons pas oublié les quartiers populaires. Mais voilà, nous sommes là et nous sommes en train de tout faire pour que la population soit servie, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est la route Kilobelobé prolongée que nous construisons pour la première fois, et la route Kamasaka également. Et donc, de ce côté, nous sommes sur les deux projets, les deux tronçons qui peuvent se terminer d'ici 2-3 mois. Et donc, nous pourrons avoir des routes assez solides de ce côté-ci. Avant de quitter Kilobelobé, le premier de Okatangé a eu un moment d'échange avec la population de cette partie de la capitale du cuivre qui lui a témoigné son appui pour avoir permis le désenclavement de sa contrée tout en sollicitant son implication dans la réfection du pont Créli Kamasaka à la vallée de la Kafubu. Dix mille pagnes et 5 000 mouchoirs de tête à l'effigie de l'église kimbanguiste, Jacques Kabula Katwe a ainsi tenu sa parole faite le 6 avril dernier aux fidèles de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé le prophète Simon Kimbangu dans la province de Okatanga. Le gouverneur a choisi la date du 25 mai pour non seulement concrétiser sa promesse, mais aussi communier avec les kimbanguistes de la province qu'il préfère en pleine fête de Noël. Ce lot de 10 000 pagnes et 5 000 mouchoirs de tête constitue la première partie de ce don qui prévoit également des instruments au profit de la fanfare kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu, oye. Oye. Maman Mouilou, oye. Oye. Bande Bouyangu. Bakimbanguiste, Baokatanga, bonne fête de Noël. Merci. Léo, Nishiku Yapula, Namiri Sema, Atanikula, Kaji Yamini, Lakini, Tukuye, Tufete, Kuakika Kidoko, Nikumyonesha Sema Tupamoya. Mais, il est tout l'Ilaka Yamsema, tout à l'état 10 000 pannes. De son côté, le représentant de l'église kimbanguiste dans les Haut-Katanga, Justin Kachiji Chayuka, a remercié le bienfaiteur et gouverneur Jacques Kabula pour avoir concrétisé son vœu, comme le déclare le psaume 50 au 14e verset. Oui, Baba Niwanda. Ce 25 mai 2023, les croyants de la foi kimbanguiste ont commémoré leur 22e Noël. Il faut signaler que cette date marque l'anniversaire de la naissance de Salomo Dialungana Kiangani, dernier fils de Simon Kimbangu. En rapport avec le bus, vous l'aurez le lundi prochain. Jacques Kabula Katwe est passé ce lundi 22 mai 2023 de cette parole à l'acte une semaine jour pour jour. Le gouverneur du Haut-Katanga a remis un bus pimpant neuf de 60 places assises aux étudiants de l'ISP Lubumbashi. Cette dotation a été faite par son directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives, Christian Kunda Mutoki, en présence du comité de gestion et des étudiants de cette alma mater. Christian Kunda Mutoki a remis les clés du véhicule au DG de l'ISP Lubumbashi en lui demandant d'en faire bon usage. Très touché par cette action du gouverneur, le directeur général de l'ISP Lubumbashi, Christophe Kaswala, a remercié l'autorité provinciale tout en énumérant certaines de ses œuvres déjà posées en faveur de cet établissement d'enseignement supérieur. Que dirons-nous encore
simplement le mot merci. Et plein succès dans votre carrière, celle d'accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous servez d'ailleurs avec loyauté légendaire. À nous de vous promettre que nous allons faire un usage raisonné de ces dons pour que ces dons puissent durer dans le temps. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Gouverneur, ici représenté. Les étudiants de l'ISP Lubumbashi ont abondé dans le même sens que le DG Kaswala. Pour cette liaison d'acte à la parole, après son passage dans la liste des sacs de farine, il n'est pas toujours une coutume chez bon nombre d'hommes politiques qui promettent sans réaliser. Heureusement, lui a fait la distinction, il a promis et il a réalisé aujourd'hui. Vous promettons, Excellence, Monsieur le Gouverneur, de faire bon usage de cet outil mis à notre disposition. Ce geste du gouverneur Jacques Kaboula Katwe n'est pas le premier en faveur des institutions universitaires de sa province. Le premier des Haut-Katangé tient à une formation de qualité de futurs cadres du Haut-Katanga. D'où ces gestes allant, dans certains cas, jusqu'à la construction des nouveaux auditoires en leur faveur. Il s'agit de clarifier les prérogatives relatives à la charte congolaise portant attribution de la sûreté et la sécurité de l'aviation civile à l'autorité de régulation. Eric Kindindi Chimba et sa suite sont venus solliciter l'implication de l'autorité provinciale quant aux empiétements constatés ces derniers temps dans la régulation de l'aviation civile. L'administration, la réglementation technique, la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en RDC sont confiées à l'autorité de l'aviation civile. Et donc aujourd'hui, dans toute la RDC, il est bon que tous sachent qu'il n'y a pas une structure qui soit concurrente à l'autorité de l'aviation civile pour la matière de l'aviation civile en RDC. Il n'y a que l'autorité de l'aviation civile. Et nous avons relevé quelques empiétements sur les attributions de l'autorité de l'aviation civile. C'est dans ce souci que nous avons approché l'autorité pour que nous puissions expliciter que c'est l'AAC uniquement, exclusivement, qui en matière d'aviation civile peut poser des actes. La délégation s'est dite satisfaite de trouver une oreille attentive à ses inquiétudes. Le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, a rassuré ses hôtes de l'implication du gouvernement provincial dirigé par Jacques Kaboula Katwe afin de remettre dans ses droits cette structure étatique. Voulant s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation et construction de l'hôpital général du cinquantenaire Caravia dans la commune annexe, la délégation des députés provinciaux avec à sa tête l'honorable Baloy Moussiwa est descendue sur les chantiers ce 23 mai 2023. Sous la guidance du ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, les élus du peuple se sont rendus compte de l'évolution des travaux à la phase finale. D'ici deux mois, l'hôpital sera ouvert à la population et aux agents du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Nous sommes venus nous rendre compte de l'évolution de l'hôpital provincial de Saint-Gantin-Carabia quant aux travaux qui sont en train de se dérouler. La population sait qu'il y a bientôt deux ans, la province a signé un partenariat public-privé pour améliorer les conditions de soins de santé par cet hôpital. C'est un partenariat public-privé signé avec un partenaire extérieur et le gouvernement provincial. Et nous sommes venus nous rendre compte de la bonne évolution des travaux et que selon la promesse nous fournit, d'ici deux mois, l'hôpital sera inauguré et être opérationnel. C'est aussi une occasion pour interpeller les autorités municipales pour que l'environnement de cet hôpital soit assaini. L'hôpital, c'est les nouveau-nés, ce sont les prématurés, c'est la salle d'opération, la réanimation. Vous comprenez que lorsque la fourniture en énergie électrique n'est pas optimale, nous risquons d'arriver de connaître les catastrophes et c'est pour nous une occasion d'interpeller
la direction de la SNEL pour établir l'hôpital de Ségouane. Sinon, nous tenons à féliciter le gouvernement provincial pour les efforts consentis pour mettre à jour cet hôpital où nous avons en plus des soins de santé, une morgue imposante qui aura une capacité de 50 lits. Donc, la population du plateau et des environs, je pense, plus qu'ils pourront aller au centre de pour se faire soigner. C'est dans le cadre du partenariat public-privé entre le gouvernement Kaboula et une société spécialisée dans la gestion et modernisation des structures sanitaires que ces travaux ont été amorcés avec objectif de moderniser et ajouter certaines spécialités. Le président du département des affaires sociales de l'Église méthodiste unie, conférence du Sud-Congo, a échangé ce mardi avec la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kulfiangandwe. Toutou Nkimba a, au nom de son département méthodiste uni, sollicité un partenariat et un soutien pour les centres de formation et des orphelines. Nous avions organisé un culte du social pour l'Église méthodiste unie. Et là, nous avons demandé le partenariat ferme entre le département des affaires sociales méthodistes unis et le gouvernement de la province, en passant par Madame le commissaire qui est l'autorité de tutelle en ce qui nous concerne. Et là, nous avions eu plusieurs préoccupations, là où nous avons exposé le problème de notre centre de formation des filles mères qui est écroulé depuis longtemps de la Rwachi. Et là, Madame la commissaire nous a promis de parler avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est l'acteur principal du social. Le département des affaires sociales méthodistes unis a initié une bourse locale de la fraternité. Cette bourse émane des cotisations et des choix des particuliers pour prendre en charge les orphelins et toutes les nécessités. Et là, nous avons déjà des diplômés d'État. Alors, ces enfants-là ne pouvaient pas vraiment s'arrêter là. Madame a dit que c'est une bonne initiative. Il fallait vraiment appuyer aussi du gouvernement pour que ces enfants continuent, même les universités locales. Et le troisième point, c'était nos orphelinats. Nous avons des orphelinats ici à Lubumbashi. Nous avons l'orphelinat Séjal de la Rwachi qui encadre les filles. Et nous avons l'orphelinat Barthes de Golf qui encadre les garçons. Et là, compte tenu des conjonctures actuelles et des difficultés, on a sollicité le partenariat. Madame était même surprise que nous avons les orphelinats, que l'Église méthodiste a les orphelinats ici qui encadrent, qui font les enfants qui arrivent même à avoir des diplômes. Alors là, Madame nous a promis vraiment un partenariat ferme et nous aurons vraiment à collaborer avec l'Église méthodiste et le gouvernement provincial. Le président du département méthodiste des affaires sociales a remis à cette occasion à la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kulfiangandwe, une Bible et un document reprenant tous les besoins. Plus de 20 chefs coutumiers du Haut-Katanga avec à leur tête le chef Kaponda Lubenge Bwalia Sankadeu, président de l'ANATEC Haut-Katanga, ont échangé ce jeudi avec le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Eric Mutandala. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. C'est entre autres celui lié à la sécurité dans leur chefferie. Chef Kaponda Lubenge Bwalia Sankadeu, président ANATEC Haut-Katanga, au terme de cette rencontre. On a sombré à bien mingi sana. Si le plan d'abord de la sécurité à Mamikini, si tu couvres chef, on a représenté gouvernement provincial, na gouvernement central. Donc on a pas cherché à sécuriser Mamikini et tout. Na sécuriser Mamikini et tout, nous coulait un rapport à qui des droits. Et puis coucou tout ma tension par-ci par-là, membre y a bas chef coutumier, hein, ma doublon il est, bas ils ne pas quoi mingi. Même kubwa tunasumbulia naye akusema naona hapa sasa kutakuwa na kitambulisho na kile kitambulisho kitakuwa yasema huyu ndio chef kutimia na ya mwisho ni mambo ya kulima mashamba donc shiba chef tunapasha kudone exemple mu entité yetu bae baba gouverneur iko nafanya nguvu kila siku ndio akusema vraiment ma village agricole ile kwa fashi yote na shiba chef kutimia tunapasha kudone exemple. De fil en aiguille, Eric Mutandala a accordé son hospitalité à une délégation des partis membres de l'Union sacrée, plus précisément ceux évoluant à Kasumbalesa.
Il s'est entretenu avec eux sur les relations de cohabitation entre partis membres de cette plateforme en soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au sortir de cette audience, Joseph Mana, président ad intérim de la base Bilanga UDPS Kasumbalesa, a donné plus de détails sur ce sujet. Le ministre nous a fait venir, soucieux d'accomplir sa mission. Vous savez, il a la prérogative de gérer la sécurité parmi ses attributions. Face à cela, il a compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas à Kasumbalesa. Il devait en savoir plus. C'est la raison pour laquelle il nous a fait venir. Dans la foulée, un groupe de jeunes de Kalebouka spécialisés dans l'érection des barrières illégales a été arrêté grâce à la dextérité des éléments des services de sécurité et de la police en détachement au ministère provincial de l'Intérieur. Ils font partie de ces réfractaires qui ont du mal à accepter les nombreux appels à l'ordre. Ils ont troublé l'ordre. Ils sont en train d'extorquer la paisible population. Donc qu'on puisse les amener en flagrance et les transférer en prison. Donc au niveau de Don Bosco, Kalebouka, les meneurs sont là, qu'ils aillent en prison. Cette arrestation n'est qu'un début. Le ministère provincial de l'Intérieur, appuyé par le gouvernement provincial d'Haut-Katanga, est déterminé à mettre fin à ce phénomène des barrières et autres irrégularités occasionnées à Kalebouka et dans bien d'autres coins chauds de la ville de Lubumbashi et de la province d'Haut-Katanga. Coupe du Congo de football féminin, le coup d'envoi de cette 14e édition a été donné ce jeudi 25 mai 2023 au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, en présence de la commissaire au sport, Pauline Igwabi, et de responsables de cette discipline. En match d'ouverture, le football club féminin Mazembe était face au football club féminin FJKK de Likasi. Au bout des 90 minutes de jeu, les filles de Mazembe se sont montrées plus fortes et ont marqué successivement 5 buts dans la perche des adversaires. Merveille Kanjinga déclenche les compteurs buts à la 15e minute de jeu avant d'alourdir le score à la 60e minute de les retours de vestiaire et triplé à la 76e minute de la partie. Elle sera épaulée par Esther Dikisha et Kabulo qui ont marqué chacune un but. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a profité de la circonstance pour appeler les athlètes à plus de discipline et de fair-play, car le sport rassemble et crée de l'harmonie. Ainsi donc, le football club féminin Mazembe part sur de bonnes bases et balise son chemin pour la suite de la compétition. Récemment nommés par le président de la République, les membres du comité de gestion de la GECAMIN ont été reçus ce vendredi 26 mai 2023 par le chef de l'exécutif provincial, Jacques Aboula Katoué. Au cœur de l'audience, ces nouveaux mandataires sont allés solliciter à l'autorité provinciale la collaboration entre cette entreprise publique et le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans le domaine du développement, a précisé le directeur général de la GECAMIN, Kala Basandiloa. Et nous avons eu l'occasion d'échanger avec le gouverneur et de lui réitérer la présence de la GECAMIN telle qu'elle a toujours été au niveau de la province pour accompagner la province. Et la GECAMIN a toujours été là comme entreprise de l'État et située dans la province du Haut-Katanga. Nous avons profité de l'occasion pour affiner les points de collaboration dans le but de réaliser la vision du chef de l'État. Donc nous avons évoqué ces points-là et nous avons chuté en réitérant notre accompagnement au niveau de la jeunesse. Parce que nous tenons vraiment à continuer à encadrer la jeunesse comme dans le social, comme ça a été fait dans le passé par la GECAMIN. Notons que le gouverneur Jacques Aboula Katoué s'est dit déterminé à accompagner la GECAMIN dans ses actions.